Aujourd'hui, effectivement, nous sommes allés rencontrer l'enseigne Carrefour à Laval suite à une première rencontre qui avait eu lieu le 19 mai par rapport à l'engagement cœur de gamme. Donc, on est parti sur une deuxième rencontre où aujourd'hui, on avait Monsieur Lebeu et Monsieur Cladière, responsable des achats Carrefour au niveau national. Donc, on leur a proposé de s'engager dans notre projet cœur de gamme. Chose qu'ils n'ont pas du tout acceptée dans l'État. Leur réponse est claire, elle est non. Ils souhaitent, eux, faire, c'est continuer ce qu'ils faisaient déjà auparavant, c'est rester dans un système de plus-value. Un système de plus-value, notamment par leur filière qualité Carrefour. Là, ne va pas régler le fond du problème, c'est-à-dire que les prix des marchés, les grilles telles qu'elles existent aujourd'hui, ne sont pas du tout à la hauteur de nos coûts de production. Carrefour représente 20% de la viande commercialisée en grande surface. Il est leader sur ce marché, donc il est important que le groupe Carrefour signe l'engagement cœur de gamme de la FNB. Dans le cas contraire, c'est tout le projet qui tombe à l'eau. Donc en cas de non-signature, on attend une mobilisation forte des éleveurs mayennais et des éleveurs au niveau national pour essayer de faire plier et de faire signer le groupe Carrefour.